Yo, c'est Elikia! Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'avais envie de vous montrer les maisons qui valent les plus cher répertoriées à ce moment-ci dans chaque région administrative du Québec. Je sais pas si je vais vraiment passer toutes les régions administratives une après l'autre, mais je vais en faire en tout cas quelques-unes, chose certaine. On va commencer avec la maison la plus chère dans le Bas-Saint-Laurent. Elle vaut 1 450 000 $. Elle est située à Saint-Pacôme, sur la rue du Moulin. Ensuite de ça, dans la région administrative Capitale-Nationale, c'est-à-dire dans la région de la ville de Québec, on peut dire à Sainte-Pétronille, sur le chemin du bout de l'île, il y a cette maison-là qui est en vente pour 5 500 000 $. C'est de la petite monnaie. En tout cas, elle a une très belle vue. Ensuite, dans la région administrative du centre du Québec, c'est-à-dire ce qui englobe la région dans laquelle je vis présentement, on a situé à Drummondville, sur le chemin Hemming, cette superbe propriété. Et en l'occurrence, je sais qu'il y en a plusieurs de ce style. Dans ce coin-là, celle-ci vaut 2 395 000 $. Elle est située sur le bord de la rivière. Ensuite, dans la région de Charlevoix, à Petite Rivière Saint-François, sur le chemin du fief, on a cette propriété pour la modique somme de 3 millions de dollars. Juste ça. Donc c'est un style plutôt moderne, avec nos beaux paysages hivernaux au Québec. Dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, dans le Vieux-Lévis, nous avons cette superbe maison. Comme on peut voir qu'il y a la vue sur l'eau et la ville, c'est juste incroyable. Elle vaut 5 200 000. Plus taxes. Maintenant, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, une région quand même assez éloignée, je dirais, au Québec, nous avons à Clermont, sur le chemin du lac Saint-François, cette propriété qui ressemble à une propriété de type chalet, mais qui, dans la région, est une propriété qui vaut quand même très cher et son prix se liste à 975 000 $. À cet endroit-là, là, vous avez la paix, c'est sûr. Sur la côte nord maintenant, à Baie-Comeau plus précisément, sur l'avenue Fraser, vous avez au bord de l'eau cette propriété qui est une propriété qui vaut quand même très cher là-bas. Elle vaut 639 000 $. En Estrie maintenant, sur la rue Verchères à Magog. Magog qui est une ville ici quand même reconnue au Québec, dans laquelle il y a plusieurs artistes, plusieurs vedettes de télé par exemple, ou des gens quand même assez connus dans le monde médiatique qui vivent dans cette région-là et autour. Celle-ci est une propriété aux allures très prestigieuses, de style un peu château, avec un terrain incroyable, coloré, avec beaucoup de floraison et au bord de l'eau. Cette propriété vaut 19 500 000 $. Quand même! En Gaspésie maintenant, Île-de-la-Madeleine, située à Port-Daniel-Gascon, route de la Pointe, cette maison vaut 2 500 000. Elle a un look quand même particulier et semble avoir un super terrain. Je crois que c'est ce qui fait son charme et son prix. Dans la région de Lanaudière maintenant, à Saint-Ligory, dans le 4e rang, on a une maison digne d'un modèle de maison de poupée luxueuse avec un super beau terrain pour une valeur de 3 400 000 $. Et dans les Laurentides maintenant, à Mont-Tremblant, qui est une ville très éloignée, sur le chemin de l'Ermite, on a cette gigantesque cabane très illuminée au bord des montagnes. Parce que dans cette région, c'est très différent du reste du Québec, le style, l'architecture des villes. Et c'est entouré de monts, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle Mont-Tremblant. Et les gens vont souvent là, c'est très connu pour aller faire du ski ou aller faire autre chose qui a rapport justement avec les montagnes et tout. Et cette gigantesque, belle, luxueuse cabane à plusieurs étages est listée à 12 900 000 $. Maintenant, si on va dans la région administrative de Laval, qui est en fait sur la rive nord de Montréal, je dis ça pour vous situer. La maison, elle, est sur la rue des Érables. Elle vaut 5 900 000 $ et elle ressemble à ça. Moi, personnellement, je la trouve quand même très invitante. La belle piscine, quand même un très beau terrain. Et le design avec la véranda et tout, la maison, je trouve ça quand même très joli. Quand même très passe-partout, mais en même temps unique, avec un petit côté luxueux, mais pas trop. En Mauricie maintenant, à Saint-Alexis-des-Monts, sur le rang Sakakomi, nous avons cette propriété d'une valeur de 3 100 000 $.
Son style est très particulier. Ça me fait beaucoup penser à un autre style qu'on retrouve complètement à l'autre bout de la map. Si vous passez devant, vous ne pouvez pas la manquer. C'est sûr que vous allez y jeter un regard parce qu'elle est quand même très spéciale. Du côté de la région administrative de la Montérégie, nous avons à Sainte-Julie, sur le chemin de Touraine, cette maison avec un énorme lac artificiel entouré de boisés. La place idéale pour faire des gros parties et inviter toute la communauté. Elle vaut 12 998 000 $. Autant dire 13 millions, on s'entend. Montréal maintenant, vous l'attendiez, hein? Dans le secteur Verdun-Île-des-Sœurs, sur la rue de Loré-du-Bois-Est, vous trouverez cette grosse maison de type moderne pour seulement 11 998 000 $. Si on regarde bien sur la photo, on peut voir un voisin qui a un même type d'architecture sur sa maison, donc on voit très bien que c'est quand même un quartier riche, fort probablement, mais quand même un quartier où est-ce qu'il y a d'autres gens qui vivent près. C'est pas comme versus sur beaucoup des autres photos que je vous ai montrées, que t'es perdu dans le bois, que t'as ton propre terrain et tout. Là, c'est clairement, t'es entouré de d'autres gens. Mais quand même, cette maison a de la gueule, on peut dire. Maintenant, on s'en va loin, dans la région administrative du nord du Québec, à Chibougamau. J'ai pas la location exacte, mais il semblerait qu'une personne de Chibougamau possède cette demeure qui vaut 675 000 $ quand même. Puis dans la région administrative de l'Outaouais, à Duhamel, chemin du Brûlé, vous allez trouver cette demeure-là, comme vous voyez sur la photo aérienne. La personne possède son propre quai au bord de l'eau et semble avoir un très grand terrain et une très grande demeure également. C'est quasiment un couvent ou un appartement familier de luxe pour une même famille qui habite à différents étages. C'est quand même très grand. Elle vaut 3 900 000 $. Maintenant, dans la communauté métropolitaine de Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures, sur la rue Joseph-Dugal, pour seulement 4 500 000 $, vous pourriez avoir ce domicile. J'aime beaucoup l'entrée. Ça doit être bien éclairé ce soir, ça doit être super beau. En vrai, je parle, parce que c'est déjà pas mal joli sur la photo. Et pour finir, je vous amène dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a plein d'eau. Dans la ville de Alma, chemin de la coopérative, vous y trouverez une maison sur une île qui vaut 1 500 000 $. Genre, le propriétaire a une île à lui tout seul. Quand même! Et voilà, c'était tout pour les maisons qui peuvent vous faire saliver. En tout cas, les maisons qui valent les plus chères dans chaque région administrative du Québec. Peut-être que je suis pas tout à fait à jour, j'ai fait mes recherches du mieux que j'ai pu. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a permis de voir aussi plusieurs styles de maisons qu'on peut trouver au Québec. Puis si vous habitez déjà au Québec, ben peut-être que vous saviez même pas qu'il y avait cette maison-là dans votre région. Je vous invite à aller la voir, si vous pouvez passer devant, bien sûr. N'allez pas sur un terrain privé sans permission. Et je veux savoir en commentaire si vous pourriez avoir une de ces maisons-là. C'est où que vous habiteriez? Quelle maison vous choisiriez? Là-dessus, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. J'en fais de tous les styles, mais récemment, j'ai également publié une vidéo qui parle des pires photos mises en ligne pour vendre des maisons. C'est assez incroyable. Abonnez-vous, on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur et madame vous. Bye!